Oui, salut, salut la famille. Comme vous le savez, c'est toujours le même Franck Cass, le promoteur de toutes les acteurs de la culture burkinabé africaine et mondiale. Donc, s'il vous plaît, je vous présente ici deux artistes rappeurs, l'un du Burkina Faso et l'autre de la Côte d'Ivoire. L'autre s'appelle Didibé, l'autre s'appelle Kayawoto. Voilà. Donc, je voulais juste informer à tous ceux qui sont en Europe, parce que quand je parle de l'Afrique, ça veut dire les missions, ce n'est plus Africa, ils ont tout fini avec l'Afrique. Mais quand tu demandes actuellement qui est, choisis qui sont les deux meilleurs rappeurs, le top 2 des meilleurs rappeurs de toute l'Afrique, on te dira que c'est Didibé et Kayawoto. Donc, si je voulais parler, je ne parle plus à les Africains quand les Africains même savent qui sont les deux meilleurs rappeurs actuellement de toute l'Afrique. Ce n'est pas un débat pour faire quelque chose, tout le monde le chasse. Donc, je parle à les Européens, ceux qui vivent en Amérique, je parle pas de la France, tous les pays qui parlent le français savent déjà que ce sont les deux meilleurs artistes qui contrôlent le rap français et le rap africain. Tous ceux qui habitent en France déjà connaissent déjà ces artistes-là. Donc si je, c'est pas que je comprends pas les autres langues là pour parler avec eux, mais je sais où tu vas traduire pour eux. Voilà. Donc tous ceux qui vivent en Russie, en Amérique, l'Italie, partout là. Voilà, si vous voyez ces deux artistes-là, c'est les artistes les plus influents de toute l'Afrique actuellement et un peu partout dans le monde entier. Ça veut dire que ces artistes, ils n'ont pas une mission à conquérir en Afrique. Ça veut dire qu'ils ont fini avec le rap africain comme Lionel Messi a fini avec le football. Donc, maintenant, leur mission, c'est de conquérir toute l'Europe. Voilà, c'est de conquérir les Lilouen, de conquérir les deux Soukoupa, les Six Nai. Voilà, c'est leur mission seulement. Sinon, ils ont déjà fini avec l'Afrique. Donc, je demande maintenant à tous les Africains de soutenir ces artistes et de les protéger. Sinon, vous allez perdre des gens. Payez ceux-là. Ce sont les artistes incontournables de la musique africaine et ils la rendent fière à l'Afrique. Et puis voilà, moi-même, Franck Cass, le promoteur, comme ça. Vous avez bien vu, non? Ok. Et puis voilà aussi mon logo, Franck Cass, le promoteur. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Je vous aime. Et puis on est good, good pour la vie. Ciao.